peine 18 ans et déjà une mentalité de pro. Champion de F4 Junior en 2015, champion en titre d'Eurocup Formule Renault, Sacha Fenestraz est un pilote franco-argentin licencié à Pau. Ce week-end, ses courses à domicile peut-être, mais quand on est sérieux, on fait un tour de reconnaissance du circuit à pied. C'est quelque chose de très important en tant que pilote. C'est là, surtout dans un circuit en ville, c'est là où on voit tous les détails. On prend note, voilà, s'il y a des choses qui ont changé comparé à l'année dernière. Comme là, j'ai fait un tour, on voyait qu'ils ont changé un peu le tarmac avant la chicane Foch. Donc voilà, c'est très important pour un pilote, surtout le faire à pied, parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire voilà, en trottinette ou en vélo. C'est pas la même chose, là on peut ressentir un peu plus voilà, l'asphalte, le goudron. Sacha Fenestraz est aujourd'hui un des plus grands espoirs français. Mais il y a quelques années, tout est parti d'une rencontre en Argentine où il vivait. Marie-France Estenave, journaliste incontournable dans le sport automobile, convainc alors le jeune homme de venir tenter sa chance sur les circuits français et européens. Là j'ai été conquise parce que c'est un gamin qui bousille complètement son adolescence. C'est pas un fêtard, il ne sort pas. Il ne joue que, il est que sur les simulateurs toute la journée et il vit que pour ça. Et je pense que les portes de la Formule 1 qui lui sont grandes ouvertes d'ici 2-3 ans, ben il les mérite largement. Un avenir radieux qui passe cette année par une saison en F3 et une participation au Grand Prix de Pau. Premier objectif pour le jeune pilote ce week-end, ne surtout pas taper les rails du circuit. Dès qu'on touche les rails, ben, malheureusement c'est abandon. Et on n'arrive pas à prendre expérience. Donc voilà, l'objectif numéro un, ça va être de rester en piste. Et après, au niveau résultat, pourquoi pas être entre les 6-8 premiers. Et pourquoi pas, à la fin du week-end, pourquoi pas essayer de viser un peu plus haut entre les top 5, ça serait super. Un résultat qui ferait plaisir aussi bien en Berne qu'en Argentine, mais pas seulement. Sacha Fenestraz fait désormais partie de l'équipe de France de sport automobile. Son capitaine est un certain Jean Alési.